L'Ancol haïtien, c'est premier sorti nous pour ce maintenant. Jeudi, c'est lundi 22 avril 2024. Moi, c'est Jacqueline Belizer, avec un grand point cap dominé actualité. Actualité ici aux États-Unis, dans New York. Ouverture jeudi lundi 22 avril 2024 là, pour ces criminels contre ancien président Donald Trump qui, d'après procureur, a mené un complot pour influencer l'élection présidentielle en 2016. Problème. Région Moyen-Orient, l'armée israélienne continue attaque Lio dans Gaza. Dans moment, li annoncé démission chef renseignement Israël, général division Aharon Aliva, à cause attaque Hamas sous territoire État hébreu, dans date 7 octobre 2023. Et puis en Haïti, plusieurs préparatifs à fait dans Port-au-Prince pour installation conseil présidentiel transition pendant ambiance dans la capitale a toujours été tendue. C'est pour ça, yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Donc, c'est pour nous soutenir. Nous contents et nous souhaitons passer une bonne semaine de travail. Nous prenons dans New York côté que en pile caméra, médias national et international, t'es braqué sous ville ça, sous ville New York à couverture. Jeudi 22 avril 2024, la procès criminel contre ancien président républicain Donald Trump qui, d'après procureur, t'a mené un complot pour influencer l'élection présidentielle. C'était en 2016. Sandra Lemaire, dis-nous plus. Donald Trump arrivé dans le tribunal New York là, lundi 22 avril pour écouter avocat accusation expliquer pour qui ça monsieur t'a violé loi pays États-Unis, l'a t'a essayé cacher le fait que l'été payé aux vedettes film porno l'argent en cachette pour lui pas mettre vérité de yo sur relation sexuelle yo t'a gagné hein. Qui t'est capable de gâter chance, monsieur, pour l'élu président en 2016? Trump, c'est premier ancien président États-Unis dans l'histoire qui jamais fait face avec un procès criminel. Procès à temps main lundi. So, I just want you to know that that's taking place in front of an extremely crazed judge. Dis-moi, je veux pour nous connaître procès ça a déroulé devant un juge qui fait une fournette. C'est juge dans l'État New York qui a plus renversé décision. Il a renversé décision 4 fois sur 5 dans un procès. Vous connaissez qui est-ce m'a parlé? Je ne suis pas obligé de citer, non. Moi, je veux gentil. Moi, je veux très gentil. Mais, un bagage comme ça qui a déroulé, pas ta jambe doit être faite. C'est un jour qui est vraiment triste pour les États-Unis. Je vais dire ça. Merci en pile. Malgré Trump t'a lancé appel pour partisans lui ont manifesté pacifiquement devant tribunal tout partout dans le pays, c'est un petit crasse monde seulement qui était sous place pour saluer lui, lui est arrivé dans le tribunal là en bas la ville New York. La police t'est monté barricade comme mesure de sécurité, mais procès a ouvert pour public là, vienne garder et tendre. Avocat immigration Rachel Einbund t'est dans le tribunal là. Elle dit par curiosité, elle t'a regardé ça qui t'a passé à procès Trump. So this is a really big day. It's a big day for New York and I'm just c'est un grand jour pour New York. Moi très fier que Villa bien géré dossier a. Li calme ici là, li très paisible, pas gain foule, gain en pile policier et moi espérer quel que soit ça qu'a passé, nous pour montrer pays a que justice pral prévaloir. Quel que soit résultat, m'espérer pays a va satisfaire que jugement t'est juste. Avocat accusation, yo dit ancien avocat Trump là, Michael Cohen, t'es payé actrice porno Stormy Daniels $130,000 en échange pour silence li sous liaison sexuelle li t'es gagné à Trump 10 ans avant ça. Yo dit c'était une façon pour monsieur décevoir électeur yo dans jour final campagne à la présidentielle en 2016, dans moment côté li t'es gagné en pile problème à cause révélation qui t'es commencé sorti par rapport à mauvais comportement sexuel. Avocat ex-président républicain yo pral fait déclaration payo devant jury à tout. Procès a c'est premier parmi 4 procès criminels qui a pesé sous dos Trump. C'est premier qui a fait avant élection présidentielle 5 novembre qui pral mettre monsieur face à face avec rival démocrate Lia Joe Biden. Trump plaide non coupable à 34 chefs accusations de falsification dossier commercial que avocat Manhattan Alvin Bragg lancé contre lui. Monsieur démenti que l'été jambe en a fait avec Daniels. En pile expert légal considéré Cassila comme cas qui gagne moins conséquences parmi tout procès Trumpio. Si la justice joigne coupable, ça pas
empêcher lui prendre pouvoir, mais ça t'a capable endommager candidature lui. OK. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. Merci Sandra. Donc je dis assez ouverture pour ça. Donc rendez-vous demain pour ça à pro commencer demain dans New York et n'a pas sous place et que collaborateur nous Valerio Saint-Louis n'a prêté toujours dans New York avec dossier Haïti qui était dans centre rencontre Conseil sécurité Nations Unies dans siège Nations Unies. Avant ça, Binuté publié un rapport sur situation dans pays d'Haïti. Valerio Saint-Louis. BINU, qui c'est Bureau Intégré Nations Unies pour Haïti, sorti un rapport vendredi 19 avril qui s'est passé là. Dans le rapport ça, Nations Unies bail détail sous situation grave ça, qui a déconstombré pays à cause violence gangue. Rapport a parlé de plus passé 2500 moun qui mourit et blessé en basak violence gang haïtien yo entre mois de janvier et mois de mars année ça. Yo augmentation de 53% cas violence yo comparé à dernier 3 mois année passée à année 2023. Au moins 590 moun perdu la vie pendant opération la police yo, toujours d'après rapport BINU. Il y a plusieurs parmi victimes qui pas mêlé dans acte violence gang yo, mais qui te gen problème, yo te gen difficulté puis aussi qu'il est normalement dans la rue capitale là. Rapport a dit que t'es au moins 141 moun qui t'es relation de près ou de loin à groupe civil armé qui ont même mouri en bas mouvement Bois-Calais. Puis force à violence yo t'es déroulé dans Port-au-Prince. Dans le département l'Ouest là, à région la Tibonite là, gen 438 moun qui ont été kidnappés. Rapport a dit tout que t'es gen attaque gang qui t'es faite dans la Saline à Cité Soleil. Pendant ce temps, gang yo continue à violer femmes actifies dans quartier rival yo, ak nan camp réfugié yo. Plusieurs centaines milliers moun obligés courir quitter la caillou à cause violence gang yo. Malgré rapport l'ONU à qui sorti, pays tant que États-Unis et République Dominicaine continue à déporter migrants yo retourner yo en Haïti. Département Sécurité Nationale États-Unis a dit agence nouvelle Reuters là que migration irrégulière haïtien yo dans zone Caraïbes là ont déjà été descend non niveau qui bas mais gen en pile pays voisins qui étaient obligés évacuer citoyens qui t'a vivent en Haïti et puis renforcer frontières yo. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio Saint-Louis dans le pays d'Haïti même plus précisément dans la capitale là c'est préparatif qu'a fait pour installation conseil présidentiel de transition nous allons rejoindre Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Selon un document même conseil présidentiel l'a préparé passation pouvoir impliquer plusieurs étapes importantes. Tout d'abord, l'essentiel pour mettre en contact même commission passation conseil là axilao qui dans gouvernement sortant. Ensuite, un autre officiel a publié pour informer public là de date à lieu passation pouvoir sans compter pour inviter personnalité concernée. Préparatif yo gala dans tout aménagement et assainissement espace là, sécurité environnement, mise en scène cérémonie à mise en place un plan communication. Commission coordination selon document qui chargé pour superviser passation pouvoir, il y a dans 9 membres qui représentaient divers secteurs. Parmi eux, Pierre-Marie Boisson pour secteur privé, René Jean Jumeau pour Rhin Interfroid avec l'autre représentant dans société civile là avec parti politique yo. Bien que pour qu'on ait une date officielle pour installation membre conseil présidentiel là, Leslie Voltaire qui se représentant famille Lavalas dans conseil là annoncé ça capable fait semaine ça dans palais national. Disposition sous plan sécurité à discuter pour garantir bon déroulement événement. Capitale haïtienne qui se porte au prince est actuellement sous tension avec incident violent qui signalé bandi exam pillé et puis mettez diffé dans divers cas dans Delma pendant week-end nan, tandis que yo continuer à toquer cogno avec la police. Situation ça vini pendant conseil présidentiel là t'a dû prendre fonction semaine ça selon information qui disponible. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et puis toujours gain débat contradictoire sur conseil présidentiel transition, c'est conseil coordination nord région nord avec nord-est salué nomination conseil présidentiel là et au mandat tout installation pressé et nous gain sous place Jodley Junior Saint-Ville depuis Fort Liberté. Coordination nord avec nord-est parti plateforme nationale secteur populaire haïtien qui gain tinon joint li place pas bat bravo pour nomination conseil présidentiel là dans tête pays a. Dans une conférence pour la presse sur Bay pendant week-end, responsable régional parti a déclaré nouveau dirigeant Sayo pral le travail dans bénéfice pays. Monsieur Jacques-Antoine, c'est coordonnateur de la plateforme nationale secteur populaire haïtien. Nous battons bravo
ou publication arrêté à dans journal officiel pays. C'est bien, monsieur. L'autre dirigeant qui prend le travail pour mettre le pays à sous rail changement et résoudre problème n'a traversé depuis plusieurs années. C'est bien. Coordination régionale Padia a tout profité et fait quelques recommandations. Coordination Plan SPA, Nord et Nord-Est, a demandé pour tout acteur qui concerné et puis prend devant dans démarche ça pour arriver à faire conseil présidentiel là vienne effectif tout de suite. C'est bien. Parce que peuple haïtien pas qu'attendre encore. Nous demandé faut tout acteur politique, économique et société civile pays a mettez tête ensemble pour bailler pays a une autre directive. Pour coordonnateur non plan SPA, M. Yves-Marie Elvé Joseph, il a supporté tout ça qui est bon pour le pays, pendant le fait qu'on est attentif en pile. Plan SPA, comme un acteur politique dans le pays, a supporté tout ça qui est bon, tout ça qui voulait bonne marche pour le pays. Tout ça qui a accompagné le peuple haïtien dans la souffrance, dans la calamité. Pour nous-mêmes, Plan SPA, et aussi peuple haïtien. Attends-toi en pile. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Fort Liberté, pour VOA Créole. Et puis dans le domaine justice, il y a un ancien président Jocelyn Privert qui répond à la convocation juge instructeur Merlan Belab te fait dans cadre enquête que JUSA a mené sous dossier corruption qui lié à Centre National Équipement CNE. Ah bon? Détail. Après audition qui dirait plus passé 4 ans, ancien chef d'État a déclaré. Il n'y a pas rien pour voir nos dossiers détournement matériel CNE. Dossier CNE, c'est des équipements CNE qui perdus dans le cadre de caravane changement. Ah bon, c'était vrai. Où est-ce que tu as lagé dans la caravane changement? Où est-ce que tu as retiré? Jovenel qui vend yo. Jovenel qui vend yo. Des jeunes là, criminels, assassins. À la traque, papa. Nous connaissons qui est dans la caravane changement. Au moins quitté le pouvoir depuis 7 février 2017, équipement qui perdu dans la caravane changement en 2018 et 2021, il faut son monde fou seulement qui t'a mis nom là-dedans. Mais pour qui ça, d'accord ou même, tu vas gagner pour un dossier ça, pour qui ça? Et Jovenel Calavé. Jovenel enterre avec eux. Oui. Almandé, monsieur Adjunia Dimanche, quelle était sa motivation? Comme moi, je dis, pas de monde qui a fait me cacher. Moi, j'ai fait 26 mois de prison injustement. Ouch, ouch. Regardez, j'ai privé. J'ai fait 26 mois de prison injuste. Qui est-ce qui est juste? Privé, oui. Privé! Les États-Unis, Canada sanctionné dans gang. Ça bon pour peuple haïtien. Ba yo grand moun. Pour yon makakri. Non seulement pat qui pat existé, jodi m di pa gen personne moun ka pèm subi injustice encore. Oui. Étant donné que yo fè brive injustice. Monsieur Adjunia Dimanche, yo retire dossier, ta fè vagabondage avec un nouveau juge qui invite m pour faire luire la vérité. Hey. Moi répond présent. Hey. Et moi répond à Belab. Juste là, mais boule. Gonjan ou politicien débarqué dans carré juge. Gonjan y a sorti tant que monde qui saute fait 5 gol ou mettre connait. On coûte l'argent bay pa. Nous connait comment justice là fonctionner. Mais il a l'argent mais il wanga. Kounya qui est privé, oui, qui a venu à l'école sous peuple haïtien. C'est bon pour moi. Avec toute élégance, nous connaissons la caille, moi, aux questions qu'il m'a posées. Je rappelle, non ancien président provisoire, qui fait partie de l'IS plus passé, il y a 30 anciens gros dignitaires dans l'État, ancien juge instructeur Aldunia Dimanche, qui mettait mandat contre après plusieurs invitations, qui a boudé dans quatre dossiers. Si toutefois, là, nous avons posé ancien chef de l'État. Pour qu'il soit pas devant l'autre, là, ou pas de confortable. Dans le pays d'Haïti, les politiciens sont devant le juge confortable. Depuis qu'ils ne sont pas confortables, ils ne peuvent pas contrôler le juge. Ils ne peuvent pas aller. Ils ne peuvent pas aller à Yuri Mahon, qui ne peuvent pas contrôler le juge.
kou l'argent baille kou tout bagaille sous contrôle il débarque et puis elle sorti blanc plus blanc que neige blanc plus blanc que neige lavé dans le sang de l'agneau les politiciens et la justice en Haïti oh waouh quel amour question sous crise politique là il te répond nous comme ça dans fin d'année là de conjoncture et m'exprimer position et sur la crise politique et sur l'urgence des élections et encore davantage sur les conditions de sécurité dans le pays. Et bon pour papa ici. 20 avril 2024 là, sont toutes qualités âmes de faire quelqu'un dans l'entour palais national là. Soti Kafou, passé Port-au-Prince, jout nou atterri dans commune Pétionville. Tout établissement et scolaire rete à porte fermée pour jeudi lundi 22 avril 2024 là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia de Filmé, VOA Créole. Vous souvez VOA Créole, vous suivez un programme dans langue créole haïtien, actualité internationale là dans un petit moment. Comme réponse pour attaque Hamas dans date 7 octobre 2023 sous Israël. Major général Araron Alivat est déjà pris responsabilité en public pour faille dans service renseignement qui te mené dans attaque côté Israël t'est perdu 1200 monde et Hamas t'est allé avec environ 250 otages toujours dans cadre attaque 7 octobre 2023. L'armée a publié lettre démission générale Aliva jeudi lundi et fait connaître que li a quitté poste li depuis gagné un remplaçant pour lui. Aliva c'est premier autorité replacé qui démissionnait dans cadre rapport avec attaque Hamas là. Et yon l'autre côté force israélienne touye 14 Palestiniens dans une attaque en Cisjordanie occupée samedi à côté un chauffeur ambulance perdu la ville l'élite fin prend un monde qui était blessé dans une attaque colon juif qui était faite en vain d'après autorité palestinienne. N'a quitté région Moyen-Orient n'a pas entré ici aux États-Unis côté vote chambre députée pour assistance 95 milliards de dollars pour principalement Israël et Ukraine et Taïwan. Jean-Robert Philippe gagne détail. Sénat américain apparaît pour voter ce matin-là une assistance de 95 milliards de dollars pour Ukraine, Israël et Taïwan avant président Joe Biden signer. Vote ça a déroulé après chambre députée a voté assistance là pendant week-end là. Vote là représenté un gros test pour président chambre députée Mike Johnson qui déclarait I said it very simply, I'll say it once again. Moi j'ai toujours dit et m'a répété une autre fois encore, c'est un ancien proverbe qui dit nous préférons voir munitions dans conflit l'autre bord de l'eau au lieu pour nous déployer soldats nous sur place. Moi crois c'est un moment important pour nous prendre décision ça. Nous permettre chambre députée à prendre décision, nous espérons Sénat à faire même apparemment, il y a deux députés lundi qui menaçaient pour déchouquer le président Johnson s'il continuait à chercher support pour l'assistance ukrainienne. Allié Johnson, saluer persévérance face à la rébellion. Député républicain Michael McCall, qui participait dans le programme chaîne télévision ABC This Week, a écrit sur le réseau social X. The speaker Mike Johnson he went through a transformation. Moins fier de président Johnson, il traversé une transformation et finalement il profil courage pour mettre pays à devant toute bagaille. C'est ça le fait. Il déclaré finalement m'a metté même côté avec l'histoire à cause de travail moi admirer position ça. Après que le député a fini de voter pour la proposition de loi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a pas perdu de temps pour réagir dans le programme de chaîne télévision américaine NBC, Meet the Press, et qui est publié sur le réseau social X. Il dit strengthen Ukraine. Assistance ça pour renforcer Ukraine et puis voyer un signal jam by Kremlin pour dire pays pas tourner au deuxième Afghanistan. États-Unis campé bon côté Ukraine, la protéger peuple là pour protéger démocratie. 60 milliards de dollars dans assistance pour jeune Kiev qui gagne 3 ans depuis la gommé avec Moscou. 26 milliards de dollars pour joindre Israël, gommé avec Hamas et puis assistance humanitaire pour civils dans zone conflit tant qu'on en Gaza.
$8,000 pour la région Indo-Pacifique là côté Taïwan continue à préparer si au cas la Chine travail. Dans une autre nouvelle concerne Israël, chef service et renseignement Israël là, major général Aaron Aliva remet démission en réponse avec échec qui débouchait sous attaque 7 octobre à Masla qui touillait 1200 monde et puis prend en otage plusieurs centaines d'Israéliens avec étrangers. Premier ministre Benjamin Netanyahu promet dimanche pour le faire Hamas souffrir plus toujours, une façon pour le capable de joindre libération, wow. Reste otage. Soldats israéliens ont mené une opération dans le territoire Gaza depuis 7 octobre passé. Côté autour, il y a plus passé 34 000 Palestiniens, deux tiers dans les femmes, à Timon, d'après le ministère de Santé Gaza. Jean-Bert Philippe. Pile Timon mourit, vrai. Vieux à Creole, Maryland. Merci Jean-Robert Philippe. Et n'a pas tourné dans le pays d'Haïti côté 248 Cubains tournés week-end passé à Nampeyo grâce à plusieurs vols gouvernement cubain t'es metté à la disposition, même gens que Canada, les États-Unis fait. Le détail à correspondant nous dans ville au Cap, Gérard Maxino. 248 Cubains Sao passé entre 50 à 60 jours bloqués dans le pays d'Haïti. C'est finalement samedi à dimanche passé à yon récit qui te pays a bon yon série de vols spécial que gouvernement Kiba mette à la disposition yo nan aéroport international Cap Haïtien. C'est des moments résistance ak remerciement. Merci pour être nous, malgré que nous t'es déjà passé 55, environ 60 jours, nous juste disons merci pour être nous. Cubain Sila qui te nan organisation voyage yo pour gouvernement pays. Fait qu'on est Haïti à Cuba, après t'es connecté, après t'es main dans la main. Le gouvernement pays Cuba, nous réaliser la patrimoine ou bien transfert passagers cubains qui t'a pas écouté dans le pays d'Haïti. Nous remercier l'autorité dans le pays, dans la ville Cap Haïtien et dans l'aviation pour attention au Banou et nous très reconnaissants vis-à-vis de tout le monde et pays d'Haïti et pays Cuba a toujours été main dans la main. Plusieurs Kibens qui étaient dans vol spécial ça, pas de caché émotion. Oui, oui, nous avons retourné dans le pays d'Haïti. Nous avons gagné pour nous retourner bientôt. Et si bon Dieu voulait, et nous espérons que le problème est résolu, il y a une façon pour nous retourner dans le pays d'Haïti. Ok. Oui, oui, nous aimons Haïti. Nous voulons remercier les Haïtiens pour l'aide. Nous aimons le pays ça et nous remercions pour la gratitude. En pile l'amour et l'affection pour tout Haïtien avec plaisir. Premier tranche, opération évacuation, t'est déroulé vendredi qui s'est passé lorsque le gouvernement pays Cuba te mette bis à la disposition Cubain Sao pour te quitter Port-au-Prince, rentrer dans la ville Cap Haïtien pour venir prendre avion. Gérard Maxino Cap Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Merci garçon. Merci Maxino. Nan finissement semaine nan, ben te gen groupe musical équipe avec tout maestro ben Chaba, yo même yo mette dehors yon nouveau album et avec tout yon apparition que vous faites dans Times Square dans New York. Nous gen nan New York et Glorieuse Nelson. Groupe musical haïtien équipe te nan New York weekend qui s'est passé. Musicien te vient faire promotion pour deuxième album yo qui rele Maquillé Misère. Donc, pour plus gros superstar sur planète là, artiste haïtien ça yo te décidé faire publicité pour album yo en défilé sur grand écran sur Times Square dans Manhattan. Intéressant. Une initiative yo espéré qui va des répercussions à la longue. Hervé Antenor, tout le monde connaît son nom Chaba, c'est membre fondateur groupe Sila. Parce que là du Times Square son beau bagage, c'est mon petit bail et petit lié. Effectivement, garçon. Ali Chaba. Dat ma we Chaba. S'il te piti, tout moun dap fel. Mwen sa mab volan? Effectivement, garçon. Hey, let's go! Mwen se fon, objectif lan se, ekip son jeune group ki fèk paret, mwen se fon nou prouve moun yo, e nou pa an jazz kom si ki kouense, ki rete lokal, mwen se nou vize international. Lò nan bagay sa wakon kadi kom si nou vize international lan. Effectivement, garçon. Congrès. Oh, comment t'es capable de ça? C'est pas Chaba qui fait musique, mais musique choisit Chaba. Oh. Bravo, petit monsieur. Continue. Mon promoteur a dit Checo, il va lâcher pour le dos. Hey, qui sont fait déjà? C'est ça qui va le faire. Mon promoteur a dit, ok,
pour me signer un contrat avant pour Belgique. Exactement, garçon. Je dis pour me signer un contrat avant pour Afrique. Ça veut dire. Waouh. Et là, on fait ça, on est dans la chivo. Exactement. Quel bel garçon, bon travail. Congrats. Si il y a quelques monde qui minimise l'initiative, si là, un musicien équipe le prend, il y a quelques observateurs qui estiment que c'est un acte symbolique qui a importance. Fritz Aristil, sorti Spring Valley. Il collabore avec Groove FM, une radio qui a desservi la communauté haïtienne dans la zone. Il a partagé la raison qui fait le déplacer, vient assister à un moment. Si là. Pour moi, comme haïtien, je suis fier de vous aujourd'hui pour venir à Times Square. Pour regarder l'équipe qui mettait cap promotion pour l'album. Et faut me dire que l'album est un bel album, il y a un paquet de musique dans l'album qui arrive sur moi. C'est bon, un petit cap fait là, je suis bien content, en plus quoi, haïtien, nous sortir un bel produit, nous sortir un bel album, mais nous pas focus sur faire promotion pour produit nous sortir. Et je dis à si nous ne prenons pas ça, pour faire promotion ça, je vais vous donner un bravo pour vous. Non, à soir vendredi 19 avril, là, musicien équipe yo te prend direction Club Amadeus dans Queens pour te capable jouer nouveau musique yo pour fanatique yo dans New York. Bedjin ak Kadila qui toujours performé ensemble te présent pour soirée si là tout. Aïe aïe aïe, c'est la bébé Bedjin, c'est Queen là. C'est Queen là. Aïe aïe aïe, Queen n'a pas déposé, c'est très bien. Hein? Fan intérieur et pour être capable d'aider l'autre artiste, Valérie Saint-Louis, t'es sous place. C'était dans l'église Free Methodist Church of Bethlehem, l'église méthodiste libre de Bethlehem qui dans Brooklyn, que un groupe artiste évangélique te bail communauté à rendez-vous pour présenter une nouvelle organisation tout neuf qui relaie Haitian Gospel Artists United, artiste évangélique haïtien unifié. C'est une nouvelle organisation ça qui créé par artistes évangéliaux, quelle que soit dénomination. La presse, artistes, personnalités religieuses, publics te fait déplacement pour venir entendre qui sa organisation ça pral offrir artistes à communauté l'évangile là. Officiellement, conseil ville New York là pour district 40 là, Rita Joseph, te répond présent dans événement ça. Yo te mande moun de vin participer, de quoi passer yo konnen expertise moi dans scène musique là, so m devin pote conseil pour yo pour inscrire musique yo, prendre assurance, make sure que yo fait collaboration avec l'autre artiste tout et me faire songer que yon bay ki menen yo ensemble, c'est croyance yo. Mais on créole te parler tout avec quelques membres dans comité organisation. Moi senti que l'avenir futur nous gagne un pile bel projet la donne et moi content d'être que nous marquer l'histoire là. C'est toute dénomination confondue. Moi même suis adventiste. Wow. Weekend son c'est baptiste. Gagne pentecôtiste, méthodiste. Nous pas n'a faire religion. Son association. Son belle initiative, nous commençons une belle histoire. Des artistes qui mettent tête ensemble pour le bien de la musique évangélique. Mais nous avons des départements de développement d'artistes qui gagnent tête, nous avons des départements musicaux qui ont tête, nous avons un paquet de studios que nous avons accès à eux. Tout producteur, nous-mêmes, nous avons des deals avec eux. Par exemple, s'il y a produit, nous-mêmes, nous avons au lieu de payer 10 000, 15 000 de côté, nous avons fait arrangement 6 000 à un monde et en façon que lui-même qui a encouragé artistes à dépenser moins. Nous avons des monde qui a fait vidéo. Avec l'association, nous avons une possibilité pour que nous ayons plus yeux ouverts sur ce qu'a fait là. Je sais qu'a fait yo. Faut que moi pas de jambe dans la communauté. Oui, tout on a chanté, nous tout artiste a fait bagarre pas non. Mais lorsque on en communauté, lorsque on en groupe, gagne plus force, gagne plus pouvoir, gagne plus bagarre capable faire. Bon, j'ai été inspiré nous pour capable écrire livre ça qui c'est The Art of Worship, son guide qui capable aider les adorateurs évangéliques que nous pas pour compte nous encore nous pas gagner encore être artiste, nous sont seuls, nous gagnons association pour capable une capable soutenir l'autre qui c'est HGAU. Son belle bagarre que lié et c'est l'une des raisons qui fait me tout juste Galen m'a venu supporter yo parce que là où t'es bon annonce là où t'es dit que mais ça a fait des bons petits doutes mais le m'rivé là moi monde qui là moi j'ai à planifier j'ai organisation et me dire quand on va essayer qu'on vienne me senti c'est un événement qui pral marquer l'histoire de la musique évangélique. C'est pour la première fois qu'un pareil événement fait secteur évangélique là définitivement mettez tête ensemble pour faire un bagage qui gagne pile valeur qui gagne pile poids dans secteur de façon pour monde connait que nous autres secteurs évangéliques là nous gagnons un backup artiste qui na chez Mario faut nous aller parce que c'est mon et tout
même gens nous qu'on a regardé nous qu'on a attendé yo penser tout yo t'a vraiment aimé tout yo t'a ensemble avec nous tout Haitian Gospel Artists United t'a fait des cachets li dans Brooklyn il t'a invité tout l'autre artiste l'évangile rejoindre li dans premier objectif li qui c'est créer un fonds d'urgence pour aider artistes pareils yo avec à l'avenir des projets de gala spectacle et festival l'évangile pour VOA Creole Valerio Saint-Louis New York. Aïe aïe aïe. Mettez compas pour Jésus. Donc c'est compas évangélique, compas la caille, tout compas. Donc c'est avec notre ça que nous mettez fin au programme. Nous voulons saluer yon zami qui remet VOA Creole qui est le programme, c'est Guy Junior Jean. Guy Junior Jean a fêté anniversaire jodia qui c'est 22 avril et 2024 nous dit joyeux anniversaire. Donc c'est là n'a mettez fin au programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Nous voulons remercier équipe solide là. Jean-Marc Hervé Abelard, gentil Augustin Junior et Fred Kaimit qui n'a qu'à là et semaine ça nous dit bienvenue et on va changer. Ah Nelson, c'est nèg pas nous nèg remet Haïti. Moi c'est Jacques Labelisa. Donc rendez-vous demain et semble Changwang qui derrière nous dit merci. Aïe aïe aïe. Moi je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention, merci pour fidélité ou avec patience ou moi pour aller m'a quitter ou dans bras papa mon Dieu parce que c'est lui même seul qui capable protéger bon la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas moi c'est Foucault, rendez-vous cassé demain matin 7h. Moi bisous bisous and love.